Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Overwatch, avec l'événement Féerie Hivernale, mon tout premier événement sur le jeu, auquel je peux vraiment participer, parce que j'en avais eu certains quand il y avait eu période d'essai, mais par contre en ayant vraiment le jeu, sa vraie version, voilà, sa version complète, ah bah jamais, jamais. Donc ça fait plaisir, mon tout premier événement. Du coup aujourd'hui, on va se focaliser sur l'un des deux modes de Noël. L'opération boule de neige, voilà. Je vais découvrir ce mode du coup en votre compagnie et dans une autre vidéo, je m'occuperai du mode chasse au Yeti. Voilà, ça c'est un mode qui était déjà dispo je crois les autres années, je l'avais déjà vu mais j'avais jamais pu y participer. Opération boule de neige, c'est peut-être nouveau, par contre ça je sais pas du tout. Bref, on va lancer directement, voilà, parce que je sais que ça prend toujours du temps à trouver des parties en arcade, ce qui est assez chiant d'ailleurs. Comme ça en attendant, je vais pouvoir vous montrer les skins, sauf si ça prend pas beaucoup de temps, ce que j'espère pas. Ce que j'espère plutôt au contraire. Hein. Donc en gros, ouais, il y a pas mal de nouveaux skins, en plus des skins du coup des autres années, hein, je suppose, c'est même sûr de toute façon. Il y a celui-ci en blash cadeau là sur Bastion, je le trouve plutôt pas mal en vrai. Hein. Plutôt, comment dire, classique en vrai, mais plutôt efficace. Bon, là je dirais ouais, pourquoi pas sur ces Reinhardt du coup, mais ouais, bon. Ok, pourquoi pas. Par contre là j'aime pas du tout la fée dragée, c'est la couleur des chevaux peut-être qui fait ça, je sais pas, je sais pas. Là sur Chacal pas mal, le petit Krampus, le Père Noël machiavélique, la biathlète, voilà là sur sur Fatal, oh, j'aimerais bien débloquer. Hein. Bon là par contre du coup sur le chevaux c'est moche, Patinaza, ah oui. Très très stylé je trouve sur Symmetra, après Symmetra, donc c'est un perso que j'aime pas trop, mais en vrai le skin est super stylé. Et bon là, snowboardeuse horrible. Oui, bah après le reste c'est des emotes, hein. Ah si, il y a l'entrée en scène, c'est l'entrée en scène de... Ah, j'ai oublié ton nom. Pourquoi j'oublie toujours ton nom alors que je t'adore? On va vérifier dans la galerie d'héros, comme ça je dirais pas de conneries. Je pense que c'est préférable. C'est Bulldozer, bien entendu, c'est Bulldozer. Bon, ça a toujours pas trouvé de partie, du coup, bon, la petite ellipse, à chaque fois faire une ellipse, je sais pas, est-ce que c'est normal? Dites-moi, ceux qui connaissent bien Overwatch, est-ce que c'est normal qu'à chaque fois, pour lancer une partie en arcade, ça prend énormément de temps? Est-ce que ça vient de Mako? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs? Je cherche à comprendre, mais j'aimerais bien savoir. En tout cas, à tout de suite pour le mode un peu boule de neige, j'ai hâte de voir ça. Et yes, c'est parti! Donc, de ce que j'ai compris, c'est vraiment une bataille de boules de neige. Après par contre au niveau du déroulement je sais pas trop comment ça se passe. Donc on a tous des mails. Et du coup ouais on va voir comment que c'est que ce truc. Ok donc on a une munition déjà. Hein. Ouais je crois que c'est une arme spéciale. Attendez on va voir comment que ça tire. Ok. Ouais, sauf que là j'ai... Oula, oula. Non, non. Sauf que là j'ai plus de mun. Comment on récupère les mun? Comment on fait? Oh là là merde. Je suis pas dans la... C'est quoi ça? Attends, attends, il y a un truc ici, mais j'ai pas le temps là, je me fais poursuivre. Attendez-moi les alliés. Waouh, et en plus je pose mal les... Mais je sais pas comment on fait ça. Oh mais attends, du coup. Ah, c'est pour récupérer les... Ok, c'est pour récupérer des munes. Ah. Ok. Oh, le petit kill, nice. Donc ça veut dire qu'à chaque tir, ouais, c'est ça, à chaque tir, faut que je récupère des munes dans ces spots. Ok. Oula, bah c'est chaud du coup, hein. Mais du coup, oui, c'est bien une bataille de boule de neige avec les compétences de Mei. Mais je sais pas maîtriser moi les compétences de Mei, à part le bloc là qui se permet de se cover. Ouais. Bon, il est tout seul. Ah, donc ça veut dire que ça aussi, c'est en mode une seule vie du coup. T'as une seule vie. Ok. Moi, par contre, ouais, pour le mur, je sais pas comment que ça se passe. Mais si, il suffit de faire... Pourquoi on avait fait un petit mur, là? Je sais pas. Je sais pas. Ok, donc je commence déjà un peu à comprendre. Donc, en gros, ça fonctionne par manche. T'as qu'une seule vie. Dès que tu meurs, tu réapparais, du coup, que la prochaine manche. T'as une seule munition aussi. Après, faut direct aller au tas de neige, là, flamboyant. On pourrait appeler ça comme ça. Oh, ça tente le long shot. Ouh, j'ai tenté quelque chose, là. Hein. Ah, il faut bien tenter, hein. Ah par contre c'est pas ultra pratique parce que ça prend du temps à recharger là la boule de neige. Ah ok par contre aussi il y a une certaine retombée de ce que je vois. En fait faut se mettre un mur devant quoi hein, clairement. Genre comme ça. Et je recharge ok. Ça va pas être simple hein.
ça va clairement pas être simple, je pense. Ça va, j'ai déjà fait un kill dès la première manche, je suis plutôt content. Mais il est question d'en faire d'autres maintenant, hein. Oh putain, pas loin! Oh, il y a un spot là? Non, 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 non! Oh, non, non. Pas envie, pas envie. Pas envie. Hop, on va mettre. Y a un spot ou pas ici? Il faut les connaître, les spots, hein. Oh putain, là. Je suis tout seul! Il faut que je recharge, putain, je suis tout seul. Non, 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 non. Ils vont me prendre pour un noob, mais j'en suis un. Désolé, c'est ma première partie, excusez-moi. Hein. Là, j'ai pas le choix, faut que j'en touche un, comme ça je passe en 1v1, sinon j'y arriverai pas. Hein. Attention, je serais déjà mort pour alors, hein, dans le cas contraire, je pense. Allez, au moins en tuer un, même si je gagne pas. Alors, gagner serait super, hein, mais... Eh, hey, coucou! On peut tenter la technique, j'essaye d'esquiver les boules de neige, mais je pense pas que c'est opti. Je pense pas que c'est optimal comme, comme stratégie. Ok, là, elle est esquivée, genre... Ah, allez, vas-y, on bloque. Non, putain, ils ont... Ah, ils ont réussi à passer, il y avait un espace. Oh, c'est compliqué, hein. Oh, il est compliqué, ce mode, hein. Oh là là, bon, surtout quand t'es en 1v2 comme ça, que tu connais pas trop. Bah ouais, parce que le temps, en fait, de... De récupérer la boule de neige, ça prend trop de temps, ça aurait été instant, ok, mais là, ça ne l'est pas du tout, donc c'est pas facile. Eh, par contre, là, faut toujours tenter, je pense, au pré-shoot à chaque fois, hein, c'est... Il faut le faire, tu vois, et si ça rentre, t'es content, si ça rentre pas, tant pis, après. Parce qu'au moins, tu peux dire recharger, de toute façon, là, il n'y a pas trop de problème. Ah, il faut essayer de faire un autre kill, là. Malgré que je débarque comme ça, en mode noobie. Mince ! Non ! Putain, mais j'ai sauté, il y avait le vide derrière. Bah non, mais c'est pas juste ça. Moi, je saute pour esquiver et bah, il y avait le vide. Oh. Non, mais ça, c'est pas cool. Hein. Vraiment, c'est même pas moyennement cool. C'est pas cool du tout. Voyons voir des joueurs pros qui connaissent bien le mode. Et surtout, si c'est un mode qui était déjà là les années précédentes, oui, ils doivent bien connaître. Donc, moi, je débarque. C'est niveau combien, par contre? Ah, il y a quand même vachement des petits niveaux. Ok, bah, ça va. Enfin... Les petits niveaux, surtout en face, du coup, non. Ouais, surtout en face, mais... Oh, j'ai... Il y a un ulti aussi. Mais c'est quoi l'ulti de Mei, déjà? Je sais même plus. Ok, donc j'ai un ulti, mais je sais même pas ce que c'est. Attends. Les boules de neige sont-ils... Oh! Quoi? Boules de neige sont... Oh ouais, mais du coup, j'ai mal fait de les teaser maintenant, putain. Bah ouais, j'ai teasé en mode panique, là. Enfin, en mode panique, pas vraiment, mais vous comprenez. Et du coup, je dois recharger. Putain. Oh non! Non mais je découvre, voilà, c'est la première game, je pense que je ferai meilleure performance, j'espère, en tout cas pour les autres. Mais là voilà, je découvre clairement un peu comment ça se passe. Hein. Ah oui, il faut que j'essaye de le choper là. Putain, dommage. Et mais ici ils ont l'ulti ou si ils ont la merde, hein, donc faut que je fasse gaffe à ça également. Il faut que je trouve un spot là pour me remettre aussi. Quand il dit rafale, je crois que c'est parce que vous avez activé l'ulti, hein. Non? Si, c'est ça. Je crois que c'est ça. Non, mais putain, ouais, mais j'arrive pas pour l'instant. Hein. Mais... Honnêtement, je pense que c'est pas trop alarmant parce que voilà, c'est ma première game, c'est normal, mais oh là là, hein, excusez-moi. Hein. Comme par là, en fait, c'est ma toute première manche, j'ai réussi à faire un kill comme ça, en mode un peu château, je dirais, et là, voilà, c'est trop compliqué. Oh là là. On gagne, hein, on gagne, c'est bien. Enfin, non, maintenant, il y a égalité. C'est complexe mode de jeu. Oh là. Déjà, je pense qu'il faut bien connaître le perso de mec. Comme ça, tu sais bien poser les murs et tout. Ce que je ne sais pas du tout. J'ai jamais, quasiment jamais pris ce perso. On va y arriver, on va y arriver. Déjà, moi, je veux le pré-shoot, là. Ah bah non, il gâche mon pré-shoot, c'est pas cool. On peut pas tenter le pré-shoot, là. Je suis gréviste. Je suis gréviste à cause de ça, là. Ça va pas le faire. Attends, on va essayer de les prendre par le dessus. Pas la plus grande des chances, ça va peut-être passer, genre là. Oh yeah! Bon, il bougeait pas, certes, mais j'ai quand même bien calculé la hauteur. Nice. Eh, hey, ça va! Oh, je gagne un coffre! Très bien. J'ai fait 2 kills. 2 kills, 1 suicide. Bon, c'est pas terrible, c'est pas vraiment la bonne game, mais... C'est déjà ça, hein. Tant moyen, passer en vie, c'est moi, médaille d'or. Eh ouais, attention, ouais, ça gère, hein. Les actions de la partie, c'est quoi dans ce mode? Ça doit pas être des doubles, je pense, parce que c'est chaud quand même de faire une double. Moi, j'ai fait un beau tir quand même, non? Ah si, avec l'ulti, bah si, ouais.
Ouais, lui c'est un joueur pro, tu vois, lui il connaît, bah oui, ok, j'ai vu son grade, j'ai direct compris, bah oui, forcément, hein. Tu vois son grade, il connaît le mode, lui, hein. Ok, donc ça, vraiment, c'était la game un peu d'analyse, pour comprendre comment ça se passait, maintenant on va passer vraiment aux choses sérieuses. Enfin, je vais tâcher de passer aux choses sérieuses, c'était pas encore gagné, direct, non, non, non. Ouais, c'est sympa comme mode, mais pas vraiment facile, hein. Pas du tout même, hein. Du coup, est-ce que je me permets d'ouvrir un coffre? On va voir si ça lance direct une partie ou si ça me lance encore une recherche interminable. J'espère pas pour la recherche interminable. Non, non, non. On ne veut pas de ça. Donc j'ai pu voir qu'il y avait trois maps, du coup, dans ce mode. Bah tiens, on peut les voir là directement. De toute façon, on a Ecolab, du coup, Antarctique et Forêt Noire. Là, on était en mode enneigé, du coup, hein, Forêt Noire, en mode enneigé. Bah, je pense que je vais pouvoir... Ah bah du coup ça... Ah oh, mais ça c'est chiant aussi je trouve sur Overwatch. Je sais pas, c'est normal ou pas aussi. À chaque fois que tu lances une partie, tu dois relancer, relancer. Ça ne lance jamais automatiquement en fait. Quand t'as fini ta partie, c'est chiant. C'est clairement chiant. Alors oui, il y a peut-être pas d'histoire de partie déjà commencée comme sur Call of, mais c'est quand même très chiant de devoir toujours relancer, relancer, relancer après. Pourtant, au début de Overwatch, mes premières périodes d'essai, je me rappelle, ça enchaînait les parties, mais ces derniers temps là, jamais. Hein. Chaque fois, je dois toujours relancer, lancer. Non! Oh, ça se fait pas! Oh, c'est vache! Oh, c'est vache! Mais c'est... Mais je m'en fous! Zarya, j'aime pas ce perso, déjà. Tous ses signes sont moches. Et je suis là, il est moche, ce signe. Bon, l'équipe, quand même, mais... Non! Il y avait tellement des meilleurs skins. Bon, après, c'est quand même un nouveau skin, donc c'est bien. On va pas s'en plaindre. Mais il y avait mieux, putain. Même des autres années, je sais pas. Regardez, là, on voit les skins des autres années. Ça, c'était l'année dernière, je m'en rappelle. Vu que je me rappelle qu'il y avait ce chargement-là. Je sais que c'était l'année dernière. Mais Zarya, quoi. Pff, Zarya, c'est l'un des pires persos ever. Non, mais sérieux. Il y avait tellement mieux. Je vous l'avais dit, ma liste de souhaits, là. Oh là là, c'est rageant, hein. Mais regardez, en général, les skins de Zarya, ils sont moches. Je crois qu'il y a même pas un seul skin qui est beau sur Zarya. Ça, c'est skin de base. Ça compte pas, c'est juste les couleurs qui changent. Attends, est-ce qu'il y a un seul beau skin? Ah, Frima, c'est-à-dire qu'on avait déjà un skin... Putain, viking horrible. 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 C'est de plus en plus... Ah non, celui-là est stylé. C'est le seul qui est stylé, sûrement champion. Ouais, du coup, Altaofi, vu que c'est une variante, forcément. Ouais, celui-là, il est drôle. Celui-là, il est drôle. Bon, en fait, il y a quand même des skins stylés, mais la plupart sont vraiment moches. Hein. Ces deux-là, ils sont très très moches aussi. Du coup, celui-là... Ouais, voilà quoi. Ouais, c'est sympa quand même, c'est sympa, mais sans plus. Hein. Et du coup, ouais, on est reparti pour une longue recherche de partie. Donc, on est reparti surtout pour une ellipse, bien entendu. Encore Forêt Noire? Vous êtes sûr qu'il y a trois maps? Bon, bah, du coup, retour sur Forêt Noire. Hein. Allez, c'est bon, maintenant on connaît. Hein. Ah, bah, du coup, ici, c'est ouais, c'est pas cassé vu que c'est le début. Déjà, on va tâcher de pas suicider. Je pense que ça, c'est déjà un objectif facile à atteindre. Pour le reste, ce sera peut-être plus compliqué. Allez, voilà, on commence bien. Putain, pourtant, j'aurais juré que j'étais pas dessus. Hein. J'aurais juré que j'avais du retard. Comme quoi, non. Comme quoi, non. Ok, ok, ok. Alors, on en a deux. Non. De toute façon, j'étais pas dessus. De toute façon, j'étais pas dessus. Mais non, putain, je pensais pas que j'étais grillé. Aïe, 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 dommage. Bon, là, le 2v1, ça va être chaud. Au moins j'ai fait un kill, je pense qu'un kill déjà par manche c'est déjà bien. Hein. Bah à raison qu'on est de 6, si chacun fait son kill, on gagne. Bah, logique, logique. Il y a toujours des PGM qui traînent, donc eux ils font 2 kills de toute façon, voilà bien sûr, hein, bien sûr. Ça commence mal, on a perdu. Ah, défaite, j'ai pas vu les niveaux du coup, on a quoi là hein. Ah ouais mais là non. Normalement on doit gagner là, regardez ça, il y a des plus bas levels en face. Ah je suis pas d'accord, on doit gagner. Hein. C'est pas cool, c'est pas cool. Voilà, c'était que la première manche aussi après, hein, rien n'est fait. Déjà l'ulti, je vais tâcher vraiment de bien l'utiliser cette fois et de pas l'utiliser direct dès le début en mode « Oh putain, il y a l'ulti, trop bien !» Ah non, bah non, faut pas faire ça. Hein. Surtout pas. Attends, je vais encore prendre... Oh. Oh putain, j'étais dessus, elle a bien activé au bon moment. Oh, c'est malin ça. Oh, c'est malin. Et du coup maintenant, comment... C'est ça le truc le plus chiant, c'est de pouvoir recharger. Parce qu'à chaque fois, c'est dangereux de recharger. Ah mais risque et péril. Vas-y, vite. Ok, ils sont deux, là. Hein. On est en 2-2. 2 contre 2, 2 contre 2. Ah, il y en a un au-dessus aussi. Oh, putain, je suis nul. Oh, je suis nul. Oh, je devais pas rater ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, non plus. 3 contre 4, ok. Ok. Hop, je suis à combien de kills, là? Du coup, je suis à 2 kills, hein. Normalement, oui, je suis à 2 kills total. Pas dans cette manche, hein.
Et du coup, il en reste un, vas-y, je vais essayer de me le faire. Je vais mourir, tu vas voir. Il est là! Putain, et vous. Voilà, bah, j'ai pas de chance aussi, que voulez-vous? Maintenant, mais comme par hasard, c'est moi le premier qui me le prend, il campait. En temps, il a pas le choix, mais pourquoi c'est moi qui dois me le prendre? C'est pas juste, hein. Putain, le skin pompier, genre. Mais quel est ce skin de pompier? On tente, oui, on tente, hein, on tente. Ah bon, pour l'instant, objectif accompli du kill par manche. Il faut continuer ainsi. Des efforts les efforts sont admirables, mais il faut persévérer encore. Ah, putain. Oh bah merde, il en reste déjà plus qu'un. Et de toute façon, le temps que je recharge, je pense qu'il sera mort, non? Sûrement. Bah non, en fait. Vite, 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 du coup, il est là, hein. Ah, il est là. Go, 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 go. Y'a un qui bouge pas, là, qui s'y fait. Ok, il était en mode... Il était... Oh, bah, manche gagnée, voilà. J'ai pas eu le temps. Pourquoi l'allié a mis un mur, là, aussi? Ah, bon, que c'était peut-être l'ennemi, je ne sais pas. Voilà, j'ai passé mon kill, mais je ne suis pas mort, au moins, hein. Et je vais avoir l'ulti. Je vais avoir l'ulti sûrement dans cette manche, donc là, va falloir enchaîner, quoi. C'est un peu ça, l'idée. Oui, c'est même sûr que je vais l'avoir dans cette manche. Ah, c'est compliqué en vrai, hein, le long shot. Attends, du coup, on va recharger. Ah, mais les spots de rechargement, ils changent de place. Ils sont pas toujours au même endroit, je viens de remarquer, là. Ouais, 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 ils changent. C'est même pas d'une partie à une autre, d'ailleurs, c'est d'une manche à une autre. Hein. Ok, j'ai l'ulti, donc là, va falloir gérer. Là, va falloir gérer un minimum. Putain, il m'a fait peur derrière, là. On entend une clochette, il dit... Oh, putain. Rafale, 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 il est où? Il s'est fait avoir? Oh non, mais j'ai encore utilisé mon ulti pour rien, maintenant. Oh, c'est pas juste. Putain. Oh, je suis deg. L'ulti... Non! Oh, j'ai cru que j'étais tombé encore. Oh là là, ils sont où, là, les derniers? Je sens pas, je vais encore me faire avoir par un mec dans un coin, tu vas voir. Ça pue, ça, ça pue. Bonjour. Yeah! Je crois que Lightbox est quand même assez généreuse, hein. Genre t'as pas vraiment besoin d'être 100% dessus pour que ça passe. C'est vraiment généreux. On va se casser, on va se casser. Oui, oui, je suis conscient qu'il en reste un, mais je dois recharger là. C'est un 2v1, c'est un 2v1, donc ça va. Mais faut pas se faire prendre par surprise, sachant que je sais pas du tout où il est. Il est peut-être avec l'allié, non? Je sais pas. Est-ce que l'allié est en pleine course poursuite? Ah, moi je le sens pas, il va se cacher, je vais me faire avoir par surprise. Ah, il est là, ok, c'est bon. On a repéré la bête. Des questions maintenant de. Taillou! Oh, le shoot, il est tenté, hein. Oh, il est tenté, il est bien. Oh, bah, bien joué l'allié, hein. Oh, mais encore un coffre, hé, on les enchaîne. Ça, c'est parce que j'ai 3 victoires du coup. Et du coup, c'est 3 manches gagnantes en fait, hein. C'est ça. Bon, bah 3 éliminations, on s'améliore. Je trouve que cette partie était déjà beaucoup mieux. Mais l'ulti, c'est toujours pas ça. L'ulti, elle doit être mieux utilisée. Bon, j'espère que je vais pas devoir encore refaire une liste pour retrouver une partie. C'est chiant quand même à la longue. Ça va pouvoir s'enchaîner cette fois-ci. Par contre, je parie que sur un coffre de merde, parce qu'on peut pas avoir 2 coffres de suite des bons coffres. Enfin bon, c'est pas un super coffre, parce que du coup, Zarya, je m'en fous, mais c'était quand même un truc rare, donc voilà. Quand même, la minimum. Vas-y, on reste en équipe, comme ça, plus de chances que ça s'enchaîne. Parce que tu vois, ils disent prochaine partie dans 18 secondes, mais malgré tout, à chaque fois, ça t'es obligé de relancer par toi-même. C'est pour ça que je comprends pas. Et d'ailleurs, là, du coup, on va débloquer un autre coffre à la prochaine partie, vu que je vais être niveau 20. Yes! Ça c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. On aime bien, on apprécie. Donc là, tu vois, qu'est-ce que ça va faire? Et voilà, tu vois, c'est ce que je dis. Ça ne relance pas, ça ne relance pas, et c'est très très chiant, c'est vraiment très très chiant. Bon, pareil, du coup, je vais quand même relancer, en attendant. Touloulou, peut-être que ça me trouvera une partie, je ne sais pas, même si souvent c'est quand même long, souvent 2 minutes quand même, hein, pour trouver. Impossible de rejoindre la file d'attente, t'es malin, à chaque fois on peut pas rejoindre la file d'attente, putain. Genre comme ça. Ah non, là, ok, c'était clairement cette file d'attente, je pensais que c'était celle d'avant, ok, donc encore pire. C'est bon? Ok. Bon, du coup, le coffre. Moi, je m'attends à vraiment à rien, mais on sait jamais. Un exploit. Un exploit, un exploit. Allez, vas-y. On vise l'exploit. Du doré. Du doré. Bah non, que du bleu. Que du bleu, pour le coup. Bon, bah... Oh, quand même, hein. Regardez ça. Stylé, la petite célébration comme ça avec les guirlandes. On équipe ça. Là, du coup, c'est un skin.
Crépuscule, ouais, bof, pas terrible, hein. Un petit icône de joueur et un petit tag du coup sur Orisa. Bah, je n'avais même pas d'ailleurs des tags sur Orisa, c'était le premier. Ok, très bien. Et bah du coup on se retrouve pour la troisième partie, sûrement la dernière aussi, je pense. Et ce serait bien du coup sur une autre map. Et bah voilà. Et en plus c'est de nuit. Elle est de nuit, donc ça c'est cool. C'est cool. Oh, il y a le sapin de Noël et tout. En fait, ouais, c'est vraiment les maps de toute façon en mode... En mode Noël. Bon, bah on est parti là. Changement quand même radical, hein, parce que là, ça va pas être pareil que Forêt Noire. Et donc... Ah, va falloir faire gaffe, hein. Là, on a de multiples pré-shoots, c'est ça qui me fait un peu peur. Oh putain de merde, ça commence pas bien. Ah, faut que je recharge. Faut tout réapprendre là, hein. Bah déjà, on en a deux en moins, donc c'est pas super cool. Ça va, on en a tué deux aussi pour eux, en fait. Ça va, ça va. Là, ça, il faut tout réapprendre là, c'est une nouvelle map. Nouveau style de jeu. Nice. Bon, il était peut-être AFK lui, je sais pas, mais nice. Il bougeait pas, ça c'est sûr. Voilà, il attendait quelqu'un, je sais pas. Mais s'il y a des AFK à tuer, je suis là. Vous inquiétez pas, toujours. Toujours présent. Ah, il en reste 3 du coup. 3 contre 3 en plus, nice. Nice, nice, nice. Mais où sont-ils? Ah. Oh là là, je commence à prendre la patte ou quoi là? C'est la première fois que j'arrive à faire 2 kills dans la même manche, hein, clairement. Oh! Mais mec! Qu'est-ce qui se passe? Si je fais le dernier... Oh! Mec, il me le faut, il me le faut. Toujours plus. Oh, dommage. Eh, 3 kills! Mais genre... Je suis impressionné, quoi. Hein. Je pensais pas capable de faire ça. Très bien. J'ai peut-être commencé à prendre la patte, ouais. On va voir. Eh, faut pas s'enflammer. Aussi bien là maintenant, je vais enchaîner les morts. On sait pas. C'est possible. Mais ils sont chiants par contre à bloquer comme ça là. Mais là, déjà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Allez, vas-y. Faut pas trop s'enflammer. Au moins essayer de faire un kill pour cette manche. S'il y a toujours la FK, moi je veux bien. Hein. Enfin, pseudo FK, le mec qui bouge pas en tout cas. Bah, je suis là, hein, pour tuer, hein. S'il le faut. Ok. Non, non, non. Ok, c'est bon, on se casse. Et j'ai... Oh putain. Ok, on a un spot là. Nice, allez. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's freaking go. Bon, j'ai l'ulti du coup. Oh, j'ai gaffé là. Non, 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 mon ulti. Non, putain, mon ulti par contre définitivement à chaque fois très mal utilisé, hein. Enfin, c'est toujours le mauvais timing quoi, vraiment, oui, bah, c'est mal utilisé quoi, mauvais timing, mal utilisé, tout simplement, dommage. Ouais, 4 éliminations, 4 de ces éliminations, je suis premier pour l'instant dans mon équipe, hein. Ouf. Mais encore une fois, faut pas trop s'enflammer, du coup là, normalement c'est la dernière manche, si c'est 3 manches gagnantes, donc si je gère celle-là, c'est bon. Ils vont encore mettre un mur là, je le sens pas, faut que je cours. C'est bon. Pas de blocage. Pas de blocage. Eh, arrêtez de me bloquer. Allez, vas-y. Encore un petit shoot de la moitié là. Genre ça, ça passait, c'était divin. Hein, mais faut pas trop bon plus espérer. Hein. Mais ça aurait été divin. Oh là, imagine. Le tir. Le tir. Oh, ok, ici. On va essayer de le toper lui. Oh là, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Là. Ça c'est non, ça c'est pas ratable. Il en reste déjà plus que 3, ok. Ah, il faut au moins que j'en tue un, ce serait pas mal, non? Il en reste 2. Et arrêtez de me faire, de mettre le stress. Il en reste un! Ah, mais il est où? Hey, mais il était là! Tout simplement. Non, du coup, je suis médaille d'argent! Ouais, j'ai quand même fait un kill à chaque manche, plus là, 3. Et voilà, tu vois, ça s'apprend. Oh, j'ai l'action de la partie en plus. Nice. Voilà, tu vois, ça a été progressif cette vidéo. Première game nulle, seconde game moyenne, troisième game, elle était bonne celle-là. Elle était bonne. 5 kills, c'est pas mal quand même. Hein. Sachant que là en plus, il y a eu que 3 manches. Il y a eu que 3 manches, donc voilà. C'est vraiment cool. Et du coup, je vais gagner un coffre. Et à moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai fait le plus de rechargement. Merci à Distinction. J'ai quand même l'action de la partie, c'est ça qu'il fallait mettre en avant. Oh là, tout le monde a quitté, quoi. Tout le monde a acquis. Allez, mon petit coffre là, donne-moi mon coffre. Dernier coffre. On aurait eu comme 3 codes dans la vidéo, mais le dernier. Le dernier va-t-il m'offrir la récompense?
récompense ultime, tant attendue, je ne sais pas. On va voir. Let's go. Allez, on quitte et on ouvre le coffre. La pression est à son goût, Mega Fanta obtiendra-t-il un bon coffre? Après un coffre moyen mais avec une grosse récompense, un coffre nul. Je pense qu'on part également sur un coffre nul, mais attention, la surprise peut être là. Allez, vas-y, 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 vas-y. Oh bah. Si j'ai dit que le coffre était nul avant, alors celui-ci c'est quoi? Mais non, ça va, encore, on a un skin pour Bulldozer. Et c'est pas mal ça, vas-y, on le met. En rouge comme ça, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais bon, à part ça, après, c'est pas. C'est pas la folie, clairement pas. Voilà du coup pour cette vidéo sur Overwatch consacrée au mode bataille de boule de neige, enfin opération boule de neige plutôt je crois, hein, plus précisément, on vérifie quand même. Ouais c'est ça. Donc la prochaine fois on ira en chasse au Yeti découvrir du coup ce mode, où je crois qu'on incarne encore des mêmes et contre un Winston cette fois-ci, donc 5 contre 1 comme c'est écrit. Donc hâte de découvrir ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'était le cas, likez, commentez, partagez, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, bye tout le monde. Ouh yeah.